Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, c'est Communication Progressive du Français avec 270 activités. Ces activités sont destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et aussi les adultes qui ont un niveau de français passable et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Allons-y, on va découvrir ensemble l'activité d'aujourd'hui. Alors si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner dans notre chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour cela. Mettez des likes et aussi des remarques. Avec vous, Monsieur Youssef Dalal de la chaîne Je Communique TV. Bonjour. Voici donc la situation de communication qu'on doit faire, bien sûr, ces activités. C'est à la gare. Alors ici, le client qui parle avec l'employé. Il y a un dialogue entre le client et l'employé. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Oui, monsieur, pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 16 au soir. Je ne connais pas les horaires. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h, au départ de Paris. Départ vers 8h, c'est parfait. 7h58, donc arrivée 9h02. Et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures, à partir de 15h, 18h dans ce cas. Bien, 18h arrivé à Paris, à 19h04. Première ou seconde? Seconde. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. Vous avez une réduction? Non, je ne crois pas. Alors, cela fait 92 euros au maximum. Côté grammaire. Adjectif interrogatif avec quel, quel jour, dans quel train, pour quelle destination, avec quelle personne. Vocabulaire, le TGV, ça veut dire train à grande vitesse. On attend le train sur le quai. On doit composter le billet. Le départ, c'est le contraire de l'arrivée. Les horaires de train. Un aller-retour A vers P. Un aller-retour A-B-B-A. Une réduction moins 20%. En première classe, en seconde classe, fumeur, non-fumeur. Manière de dire. On dit, je voudrais réserver. Quels sont les horaires? Il me faudrait. Je ne connais pas les horaires. Et voici les activités. Regardons s'il vous plaît ici, il y a des activités qui sont très intéressantes pour vous. Faire une réservation numéro 2. Vrai ou faux? Le client va à Lille pour une journée. Vrai ou faux? Il n'y a pas de train le matin. Vrai ou faux? Le client ne voyait pas en première. Vrai ou faux? Demandez une précision en utilisant quel. Je prends le train. Tu prends les billets. Je pars demain soir. Elle rentre bientôt. Je pars avec des amis. Nous allons à la gare. Le train est entré en gare. Je voudrais du fromage. Il parle avec les clients. Elle achète des croissants dans une boulangerie. Complété pour ses voyages en train, le vieux monsieur a une de 25%. Le train part à 14h02, le est à 14h02. Le TGV arrive à 19h24. L'apostrophe est à 19h24. Avant de monter dans le train, on doit le billet qu'on achète. On attend le train sur le... Le billet en classe est moins cher quand François n'aime pas la cigarette et prend un billet de train. Alors 4, vous devez faire les réservations suivantes. Imaginez et jouer les deux dialogues. Par exemple, aller, retour, Lyon, Dijon, départ vers 17h, retour un jour après vers 21h, deuxième classe, non-fumeur. Au deuxième dialogue, on dit aller-retour Paris-Bruxelles, départ vers 6h, retour le même jour vers 19h, première classe non-fumeur. Voilà, c'est tout pour le moment. Maintenant, je vous laisse réfléchir à ces activités, vrai ou faux. Demandez une précision en utilisant quel, complétez par des mots convenables. Et vous avez ici une expression orale. Vous devez faire les réservations suivantes. Imaginez et jouer le dialogue. Voilà, c'est tout pour le moment. On passe maintenant à la correction. Maintenant, c'est vrai ou faux. Les clients vont à Lille pour une journée. C'est faux. D'après l'association, le client ne va pas à Lille pour une journée, pour 2 jours ou 3. Il n'y a pas de train le matin. C'est faux. Alors, il y a des trains chaque matin. Le client ne voyage pas en première, mais il voyage en seconde. Alors, le client va à Lille pour une journée, c'est faux. Il n'y a pas de train le matin, c'est faux. Le client ne voyage pas en première, c'est vrai. Alors, demandez une précision en utilisant quel ou quel. Je prends le train. Quel train? Tu prends le billet. Quel billet? Je pars demain soir. À quelle heure? Elle rentre bientôt. Quel jour? Je pars avec des amis. Quels amis? Nous allons à la gare. Quelle gare? Le train est entré en gare. Sur quel quai? Avec un seul L. Je voudrais du fromage. Quel fromage? Il parle avec les clients. Quel client? Elle achète des croissants dans une boulangerie. Dans quelle boulangerie? Alors, je prends le train. Quel train? Quel billet? À quelle heure? Quel jour? Quels amis? Quelle gare? Sur quel quai? Quel fromage? Quel client? Dans quelle boulangerie? Alors, ça dépend soit le masculin ou le féminin. Soit le masculin pluriel ou le féminin pluriel. Moi, je toujours S, la marque du pluriel. Quel train, quel billet, quelle heure, quel jour, quels amis, quelle gare, quel quai, quel fromage, quel client, quelle boulangerie. Voilà. Alors maintenant, il faut compléter les mots. On dit une réduction. Le départ. L'arrivée. On doit composter. Le quai. En seconde. En première. Non-fumeur. Pour ses voyages en train, le vieux monsieur a une réduction de 25%. Le train part à 14h02. Le départ est à 14h02. Le TGV arrive à 19h24. C'est-à-dire l'arrivée est à 19h24. Avant de monter dans le train, on doit composter le billet qu'on achète. On attend le train sur le quai. Le billet en seconde classe est moins cher qu'en première. François n'aime pas la cigarette. Elle prend un billet de train non-fumeur. Non-fumeur. Vous devez faire les réservations suivantes. Ah, voilà. Vous devez faire les réservations suivantes. Imaginez jouer les deux dialogues. Vous pouvez jouer le dialogue, si vous voulez bien, bien sûr, entre vos amis. Voilà, merci. C'est avec vous, Monsieur Youssef Dalal de la chaîne Je Communique TV. Merci de votre suivi et de votre attention. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau ou nouvelle, de vous abonner dans notre chaîne Je Communique TV sur YouTube. N'oubliez pas aussi de cliquer sur like et ajouter des commentaires. Et si vous voulez suivre d'autres vidéos, cliquez sur le bouton de la cloche. Merci et à la prochaine.